Salut à tous, c'est Tom. Alors, nous voici sur TDU 1 à bord de cette Peugeot 206. Ah, une voiture française, une voiture que tout le monde aime. Et franchement, même les étudiants aujourd'hui, c'est soit Clio, soit une 206. De toute façon, c'est la voiture des étudiants par excellence. Elle est belle, ça va. Il y a des lignes qui vont bien, tout ça. C'est pas du multiplat, hein, c'est ça que je veux dire. C'est qu'elle est normale, en fait. Je la trouve normale. Et là, c'est une phase 2. Mais bon, là, elle a un peu plus de style que la classique parce que c'est une GTI. Cet intérieur. Bon, là, il est vraiment, de son pur jus des années 90, parce que oui, elle est sortie dans les années 90 et cette version-là date des années 2000. Voilà, c'est un peu vieilli, surtout les entrées d'air, tout ce qui est radio, il y a le radio cassette, voilà, le volant, très très basique, aucune commande au volant, en tout cas pour les versions standard. Je suis pas exactement spécialiste des 206, mais je sais qu'il y en a un parmi mes abonnés qui avait une 206. On a joué justement avec cette voiture sur TDU 1 il y a quelques années. Et franchement, c'est cool d'avoir cette voiture dans le jeu. Bon, c'est sûr, c'est pas du tout une voiture rapide, hein, voilà. C'est quand même une petite sportive à la française. Mais c'est plutôt cool. J'avoue, il y a aussi d'autres sportives françaises dans le jeu. On verra, hein, si jamais vous voulez que j'essaie une de ces voitures-là prochainement. Bon, je pense que la VMAX ce sera autour de 200 km/h. Bah, on va tester justement, on va aller sur la carte, on va voir justement la vitesse max, ça peut être intéressant. Bon, on va tester le 0 à 100, je pense pas que ce sera fameux. Allez, c'est parti. Allez. Et ouais, en 7 secondes 2, oh ça va encore pour une petite sportive. Ah, moi je mise 220. Ah, il y a une petite descente, on va voir la petite descente, ce que ça va donner. Ouais, bon, là ça aide un peu, hein, évidemment. Bah, 220. Je pense pas qu'on va atteindre plus. Ah, peut-être 230, peut-être. Ah, c'est du mal, hein. Ah, c'est pas une Bugatti Veyron ou une Chiron. Ah, c'est sûr, c'est une française, mais voilà, c'est une voiture que tout le monde peut s'acheter, hein, d'ailleurs, hein, évidemment. Voilà, 230. Bon, je pense que je vais pas faire plus le supplice que ça. En tout cas, là, ben, là je me suis TP à un autre endroit de la carte. On va peut-être se garer ici dans la zone industrielle. Voilà, on va se placer peut-être. Voilà, juste ici, on va se garer. Un petit stationnement ici, ça peut être cool. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo sur la 206 GTI vous a plu. Moi, en tout cas, c'est une voiture assez rare qu'on trouve en jeu, donc c'est plutôt cool. N'hésitez pas à me le dire en commentaire quelle est la voiture que vous voulez que je vous teste la prochaine fois sur Test Drive Unlimited 1. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas bien sûr à partager cette vidéo, à la liker et à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Allez, salut!